Ce soir, on est très heureux d'avoir Charlotte Gainsbourg. Merci beaucoup d'être venue à la boutique. Je te donne un micro, voilà, parce qu'on enregistre. Bonsoir. Voilà. Et ça fonctionne? Est-ce que tout le monde entend déjà? Vous m'entendez? Oui. J'ai l'impression. Tout va bien. Donc, on fait venir Charlotte pour la sortie de ce DVD Blu-ray. Jen par Charlotte qui est que jour de fête, l'éditeur jour de fête édite. On a une vingtaine de minutes pour parler, puis après on passera à la dédicace ici parce qu'il y a pas mal de gens qui ont des DVD d'accord. Et puis qui aimeraient avoir une petite griffe si tu es d'accord bien pour sûr, prêter à l'exercice. Avant ça, alors en général les discussions elles durent un peu une demi-heure, donc j'essaie de resserrer le rythme, de redescendre un petit peu. Mais en général, je pose la question de savoir la première image de cinéma de l'invité, ton premier souvenir. Souvenir ? Ouais, souvenir de. C'est très facile. C'est très facile. C'est bon. Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer. Ah oui, d'accord. Parce que ma mère m'a emmenée voir Les Dents de la Mer quand c'est sorti en Angleterre. Et ça date de 75, donc j'avais 4 ans. Oui, oui. Donc j'ai été évidemment traumatisée par cette premier souvenir de cinéma, au cinéma. Ouais. Mais quelque chose qui... tu baignes dans le cinéma depuis longtemps, avec ton père ou ta mère. Alors, par rapport au cinéma, qu'est-ce que c'est ce... Ma mère m'a amené plus vers les comédies musicales, à part Les Dents de la Mer, mais les comédies musicales et des films anglais ou des films... Oh, en même temps, c'était mon père aussi. Mon père, en fait, dans les années 80, quand mes parents se sont séparés, j'ai eu la chance d'aller chez lui seule, en fait, en enfant unique, parce que ma sœur aînée avait retrouvé son vrai père. Mmh. Donc voilà, j'allais les week-ends chez mon père, et il avait acheté, à l'époque c'était vraiment révolutionnaire, un écran géant et un projecteur. D'accord. Et c'est le début des cassettes vidéo. Ce qui fait qu'il m'a fait toute ma filmographie, mais qui était la sienne. Donc c'était beaucoup de westerns, beaucoup de comédies, alors des films italiens, les grandes comédies italiennes, les monstres, le pigeon, voilà, des... Les producteurs aussi, des comédies américaines aussi. Dino Rizzi, toutes ces... Oui, évidemment aussi Billy Wilder, donc les grandes comédies américaines et beaucoup de films d'horreur. D'accord. Et bon, moi, à cet âge-là, évidemment, vers de 10 à 12, les films d'horreur, c'était ce qui m'a le plus marqué. C'était... et parce qu'avec lui, c'était des vraies séances de cinéma... C'était pas comme aujourd'hui, on peut se mettre un film sur un ordinateur et bon, c'est comme ça que les gens voient les films aujourd'hui, mais c'était très... Il y avait un cérémonial à cette époque-là. Ouais. Voilà. Ça a été ritualisé. Et comment aujourd'hui, quel rapport tu as peut-être avec les films? Tu connaissais la boutique déjà ou pas du tout? Alors non, j'ai honte. Ah, mais non, il n'y a que pas... C'est... Non, 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 mais parce non, que non, ça pardon. A l'air d'être comme un truc un peu... important. Très magique, très important, très. Ouais. Ben, on est également édite et on édite les films de Lars von Trier, par exemple. On édite Mélancolia, bien sûr, Nymphomaniac. C'est nous qui sommes éditeurs de DVD de ces films-là, dans les films dans lesquels et de Lux Eterna également de Gaspard. D'accord. Oui, voilà. Donc on a tous ces DVD. Okay. Donc tu es un peu là, voilà. Oh, je suis bien fière d'être là. Ouais. Voilà. Donc j'avais vu ta maman venir. Mais, oui. Mais toi, non. Moi, je connaissais pas. Et tu achètes des DVD, non pas du tout ou Alors j'ai acheté énormément de DVD et très bêtement, on s'en est débarrassé de tout. D'accord. Okay. On a tout balancé. Manque de place. Ouais. Voilà. D'accord. Oui. Oui. Et puis bêtement aussi, on s'est dit qu'on trouverait tout. Ouais. D'accord. Différemment. Ben oui, enfin en achetant au début en achetant sur iTunes et puis les plateformes et tout. Et en fait, on trouve pas tout du tout. Ouais. Donc c'était un peu idiot.
Ici, on trouve pas mal de choses. Et pas mal de choses. Mais j'ai un rapport au cinéma quand même qui renaît, en fait. Je pense qu'il y a tellement un souci aujourd'hui avec les salles que c'est presque un statement quand on y va. Et c'est vrai que le week-end dernier, j'ai vu deux films en une journée. Bon, bien sûr, j'avais un rapport particulier avec ces films, mais j'ai vu Maestro avec Yvan et le film de Valeria Bruni Tedeschi, Les Amandiers. D'accord. Okay. Et j'ai eu, c'était un jour particulier pour moi, mais j'ai eu des émotions très très fortes. J'avais oublié à quel point c'était particulier le vrai cinéma. Ouais. Toi, on te connaît comme actrice, comédienne. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Là, j'avais loupé Sundown de Michel Franco. Et à chaque fois que je te retrouve dans les films, c'est toujours, on a toujours des personnages qui sont très, très forts, très incarnés. C'est assez inattendu et en même temps évident, comme quelque chose d'évident. Donc, c'est toujours... Merci, mais là, je viens de faire deux merdes. Qui sont, dont tu un t'es film rallement. Anglais et un film américain. D'accord, okay. Très mauvais. Non, mais c'est une belle filmographie. Bon, non, mais juste, alors, je t'ai dit qu'on éditait des films de Lars von Trier, mais c'est quand même, quelqu'un qui est important pour toi. Ah oui. Dis-nous quelques mots quand même sur... J'ai envoyé un texto en lui disant, est-ce que je peux venir te filmer ? Il m'a pas répondu. Pas encore. Mais non, mais je crois qu'il acceptera pas. Mais c'est quelqu'un que j'admire, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui me touche, avec toutes ses maladresses, toute sa complexité... sa perversion, tout me fascine en fait chez lui. Et tu y vas aveuglément comme ça ? J'y suis allée aveuglément il y a 2 mois, parce que ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas vu avant. En fait, je suis allée le voir quand il a sorti The House That Jack Built. Je n'avais pas vu à Cannes et je suis allée le voir au Danemark et évidemment le voir lui dans la foulée. Donc je ne l'avais pas vu depuis. Et il y a eu le Covid et tout ça entre-temps. Et du coup, il m'avait beaucoup manqué. Et je suis allée lui rendre visite. Le voir travailler en tant que réalisateur, toi, est-ce que ça t'a inspiré quand il s'est agi de prendre la caméra ? Oui, mais plus que ça, en fait. Ça aurait pu m'intimider beaucoup. Mais en fait, quand j'ai fait un album qui s'appelle Reste, qui est sorti maintenant il y a, je sais pas, 8, 6 ans, un truc comme ça. Et je voulais faire moi-même des clips. Non, je voulais pas faire moi-même. J'ai appelé Lars en lui disant, est-ce que tu veux bien faire mon premier clip ? Qui était pour une chanson qui s'appelait Reste. Et il m'a dit, non, j'ai pas le temps. Mais par contre, je vais te dire exactement ce que tu dois faire. Il m'a donné une liste, comme une charte, de comment faire mon clip. D'accord. Du coup, il fallait que... Bon, aujourd'hui, je m'en souviens plus. C'était la charte du dogme, en fait. Exactement. mais bon, d'une autre manière. Dès que je prononçais un mot, il fallait que je l'anime avec un souvenir de cinéma personnel. Enfin, ça allait être un patchwork de cinéma à chaque mot. Et à chaque fois que je ne chante pas, que je me filme et que ce soit le plus ennuyeux possible. C'était la contrainte. La contrainte. Et du coup, ce qui était très marrant, c'est que moi qui avais une trouille bleue de prendre mes responsabilités, de mettre en scène un clip, je me suis dit, bon, je le fais parce que je sais exactement quoi faire. Lars m'a dit quoi faire. Et du coup, j'ai fait mon premier clip comme ça. C'était très marrant à faire, à part de clearer les droits. D'accord, parce que c'était une autre. J'ai pas pu tout avoir. Mais sinon, ça m'a un peu donné des ailes parce que j'ai pu mettre en scène avec ma copine Nathalie, qui fait beaucoup de choses avec moi. J'ai pu continuer et faire tous mes clips de cet album-là. Et du coup, je crois que ça m'a quand même permis de m'aventurer là. Oui. Ouais. Et ce projet, il arrive. Il arrive comment ? Il arrive un peu. Alors, Reste, déjà, j'ai perdu ma sœur il y a 9 ans.
à Paris. Je décide de 6 mois plus tard de tout plaquer, de partir avec ma famille, c'est-à-dire Yvan et mes enfants, et d'aller à New York pour essayer de survivre à cette grande tragédie. Et du coup, j'ai écrit un album sur la mort de ma sœur, ce qui a produit du coup les clips après. Et étant loin de ma mère, parce que j'avais quand même cette culpabilité d'être partie à ce moment-là, pour elle, c'était pas rien, évidemment, elle était malade. Je pense que le manque d'elle et la culpabilité, tout ça mélangé, je lui ai demandé si elle accepterait que je la filme. Mais sans que ce soit précis, sans avoir évidemment de scénario. Et du coup, en lui présentant un peu un documentaire sur elle ou un truc, juste la filmer de manière... C'était assez là, oui, voilà. Voilà, sans dire exactement ce que j'allais faire. Comme elle m'a dit oui, et que le prétexte, c'était son concert à venir à Tokyo. Tokyo, oui. Ce qui fait que je suis allée voir un producteur en lui disant, voilà, il y a ce concert qui va se passer, il faut qu'on monte une équipe pour que je puisse tourner dans ces dates-là. Du coup, on a tout monté. Je l'ai embarqué, en plus de la filmer, bien sûr, pendant le concert et en préparation, je voulais l'avoir travaillé. Mais en plus de ça, je me suis dit, évidemment, je vais l'interviewer, je vais faire ce qu'on fait dans les documentaires, de nous asseoir et de discuter. Et du coup, j'ai bien sûr écrit des questions, enfin, et je me suis dit, il faut que je sois la plus directe possible, que ce soit le plus personnel possible, sinon ça va ressembler à n'importe quel documentaire. Donc, j'y suis allée sans prendre garde à la ménager ou à... Il n'y a pas eu d'entrée en matière, je ne l'ai pas prévenue vraiment de ce qui m'intéressait. Et du coup, j'ai fait cette première interview assez franche et on voit en fait... C'est très direct, très intime, on rentre tout de suite. Ouais, on voit, c'est ma première question, donc on voit qu'elle elle le prend pas bien, mais parce qu'elle est très déstabilisée en fait. Et du coup, elle a tout mal pris. Elle était heurtée, on voit qu'elle est hyper émue, mais... très très émue et un peu sur la défensive, comme si en fait, et elle m'a dit après, elle avait l'impression que j'allais l'attaquer sur son statut de mère, alors qu'elle pensait qu'on faisait un truc un peu professionnel, que d'un seul coup c'était quelque chose d'hyper privé devant un caméraman, devant un preneur de son, et qu'elle était comme un lapin dans les phares de voiture, quoi. Du coup, on est rentré à Paris, et quand j'ai dit, est-ce qu'on peut continuer à New York, parce qu'elle allait faire un concert à New York, elle m'a dit stop, tu arrêtes, j'ai détesté. Et du coup, j'ai tout arrêté, et il s'est passé 2 ans. Je me permets de t'interrompre, mais c'est vrai qu'on a l'impression que avec une caméra, avec le tiers que représente une caméra, on peut se dire des choses qu'on ne sait peut-être jamais. C'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà, d'accord. J'ai analysé ça après, mais je me suis dit, oui, les déclarations d'amour de mon père, ça a toujours été par le biais de chansons, ou d'interviews, ou de films, mais jamais en direct, pour moi. Je pense que pour ma mère, enfin, c'est un autre rapport en même temps, mais... en tout cas, ma mère et moi, depuis, on arrive à être plus direct, mais c'est plus facile, je trouve, par le biais d'un média. Mais j'ai l'impression que oui, qu'il y a un rapprochement, une intimité, et en même temps toute une pudeur, c'est le mot qui revient. On est très impudique, parce que c'est impudique de montrer son rapport à sa mère. Vous êtes des personnes publiques en même temps. Oui, je révèle rien de... qu'on connaît pas. Et j'avais pas l'impression d'avoir les trucs à cacher, je les cacherai encore. Donc il y avait pas ce risque là. Mais c'est vrai qu'il y a une impudeur à parler de nos sentiments quand même. Et les thèmes abordés sont c'est le temps qui passe, c'est la vieillesse, la mort, c'est la maladie, il y a quand même perte, quelque chose. Moi, j'ai découvert quelque chose de Jane, les somnifères, toutes ces choses-là, j'étais à 10 000 lieues d'imaginer. C'est drôle, parce que pour moi, ça fait tellement partie d'elle, mais comme elle ne s'en cache pas, j'avais l'impression que c'était pas une nouveauté, mais en fait, c'est bien si les gens la découvrent, parce qu'en fait,
Ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'on la connaît tellement sous le prisme de mon père, ou bien sûr par le biais d'autres metteurs en scène. Mais elle, ça fait depuis 32 ans que mon père est mort. Elle chante ses chansons, elle traverse le monde, et elle a toujours, elle se cache pas, mais elle se montre derrière le personnage de mon père. Il est toujours omniprésent. Je voulais quand même la faire exister, enfin pas quand même, je voulais la faire exister pour qui elle est, elle, ma mère, donc mon rapport à ma mère. Et ce qu'elle est, elle, comme personnage, qui est incroyable. Mmh. Elle est drôle, moins drôle de par tous les drames qu'elle a vécu, mais, enfin, moins drôle, non, elle est drôle quand même, mais elle me fait moins rire parce que je sais qu'elle souffre, mais voilà, elle est un personnage vraiment à part entière et qui a un charme fou et une drôlerie, et voilà. On sent dans le film ces fantômes, hein, ton père, ta sœur Kate, et mais même comment ses parents, oui, voilà, ses parents, voilà. Mais en même temps, tu recentres le film sur elle. Bah, tu ne te disperses pas. Non, et je voulais pas non plus utiliser des archives. J'en utilise un peu quand c'est ces archives à elle de Super 8 et de films de famille, parce que je voulais que ma sœur Kate existe. Elle existe à travers toi, prenant des photos aussi. Aussi, ouais. Tu, parce que mais on la voit petite et on voit mon père un peu par ses films Super 8, mais je ne voulais pas qu'il y ait des archives qu'on connaît tous de mes parents à la télé ou d'elle. Dans sa jeunesse. Ça, c'est rue de Verneuil. Ce que j'ai pas dit, c'est que dans le coffret, il y a tes photos. Il y a un livret avec, je crois. Oui. En fait, je me suis permise de prendre des photos d'elle. Voilà. Parle-nous peut-être un peu. Parce que je suis pas photographe. C'était ma sœur, la vraie photographe professionnelle. Bon, j'avais pris des photos et je développais un peu mes photos quand j'avais 15-16 ans, mais je le faisais pas très bien. Et quand ma sœur est morte, en fait, le fait d'être allée à New York, je me suis autorisée à reprendre le dessin, à reprendre ou à explorer plus la photo, à écrire des textes, à faire du coup des clips. Et la photo, ça m'a vraiment ouvert une porte très amateur, et aujourd'hui toujours très amateur, mais j'aime beaucoup l'amateurisme, en fait. Ça, je m'en suis rendu compte. Du coup, j'aime bien le fait qu'il y ait des accidents, que ce soit très imprévu. J'aimerais évidemment dominer un tout petit peu mieux la technique, mais j'aime beaucoup les accidents quand même. Du coup, je me suis autorisée à prendre de plus en plus de photos, et c'est vrai que je faisais exister ma sœur par ce biais-là aussi, parce que elle a beaucoup photographié ma mère, et que du coup, on parle d'elle sans parler d'elle, et ça m'a demandé beaucoup de courage, en fait, de prendre un appareil et de le braquer sur ma mère, parce que je ne savais pas du tout qu'elle adorait faire des photos. Aujourd'hui, sans doute moins, mais c'est ce qu'elle me dit. Ça, pour le coup, c'était une surprise. Qu'elle dise qu'elle a toujours adoré, mais évidemment qu'avec un physique comme elle, j'aurais aimé moi aussi. Moi, j'ai toujours trouvé ça très, très difficile d'être prise en photo. Et tout ce... Voilà, c'est pas du tout une profession que j'ai aimée. Mais la prendre en photo, ouais, c'était nouveau. Non, et puis le rapport au corps, aux rides, au temps qui passe et tout ça, c'est assez beau, c'est tout ce passage-là. Mais ce qui me fait plaisir aussi, c'est que là, elle dit, j'y viens au fait qu'on s'accepte avec des genoux d'éléphant, enfin des rides comme des genoux d'éléphant. Mais elle l'accepte pendant le tournage, mais... elle l'accepte pas. Voilà, c'est ça, oui. Pour de vrai, elle l'accepte pas. Et c'est bien, parce que c'est ça qui maintient en vie et qui fait qu'on lâche pas non plus.
le film, il y a un avant et un après ce film avec elle. Ça a changé quelque chose dans votre histoire ? En fait, je crois pas. Si, ça a changé le fait qu'elle a compris que je m'intéressais à elle. Aussi bête que ça puisse paraître. Mais excuse-moi, dès le début du film, ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression, on voit une mère et une fille, mais on a l'impression de voir deux étrangères. On a l'impression que vous êtes étrangères l'une à l'autre. Il y a une distance, mais c'est incroyable. On voit deux femmes, deux générations différentes, et on essaie de tisser ce lien-là. En plus, des femmes publiques qu'on connaît d'une part et d'autre, mais c'est notre incroyable. Rapport. En fait, c'est très étrange. C'est notre rapport. Elle n'avait pas le même rapport avec Kate. Elle n'a pas le même rapport avec Lou. Ben oui, j'imagine. Moi, j'ai un rapport très distant. Et tu l'intimides. Elle dit que je l'intimide, mais elle aussi, elle m'intimide. Du coup, on marche un peu sur des œufs. Ouais. Mais je pense qu'il y a eu... il y a eu de l'incompréhension aussi. Après, moi, je suis partie vivre ma vie. J'ai perdu mon père à 19 ans. Il représentait tout pour moi. Donc... je suis partie avec Yvan à 19 ans aussi, et j'ai fait ma vie avec mes enfants, et du coup peut-être qu'elle a eu moins de, pas de prise sur moi, c'est pas une question de prise, mais on a eu moins d'occasions, et j'ai vraiment construit ma vie avec un homme en parallèle. Du coup voilà, ça explique un peu le côté deux étrangères, mais on s'aime. Enfin, je l'aime, mais je pense qu'elle dirait pareil, plus que tout. Donc ça, non. En fait, ce qui a changé, c'est que depuis le film, j'ai accepté ça, d'être une étrangère. J'ai accepté d'avoir un rapport différent. J'ai accepté qu'elle, finalement, on se connaisse pas si bien que ça et qu'on marche encore sur des œufs. Bon. Charlotte, on s'arrête là. On a le temps pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci. On passe à les dédicaces, comme ça, calmement, qui se fera ici. Donc, Charlotte, voilà. Tu t'assieds ici. Tiens, Daphné. Okay.